C'était Enwell qui nous chantait Doll. Des nouvelles en ce qui concerne la tragique disparition de la petite Alice. Souvenez-vous, elle était enlevée il y a quelques mois. Le corps sans vie de la petite a été retrouvé non loin d'un bâtiment abandonné. Le suspect présumé serait un pédophile remis en liberté. Il est grand, brun, vêtu d'un jeans bleu, d'un t-shirt blanc, d'une chemise à carreaux et d'un anorak à capuche. Si vous avez la moindre information concernant cette affaire, veuillez...
Qu'est-ce que t'as derrière moi? T'as tout le bâtiment? Tu as le plan assez large? Bon, on fait un essai, on verra après. Hein. Bon, et bien, nous sommes ici, devant le lieu où on a retrouvé le corps de la petite... Ah merde, j'ai oublié son prénom. Alice, putain, merde. Bon, je recommence. On y va? Donc, voilà... Non, non, monsieur, non. Non. Putain, ça va la faire, cette séquence, merde. Et l'autre qui... Allez, coupe, coupe. Et l'autre qui demande si on fait un reportage sur le Belvédère, tu vas le genre. On fait un reportage sur le Belvédère? Non, je suis déconcentré, bordel, il y a trop de bagnoles. Nick. Oui, ils devaient être riches tous les deux, ils s'occupaient pas de leur fille. L'autre s'est parti et la petite est partie en courant, même en pleurant, genre. Je ne sais pas, mais c'est un sali comme ça. Faux. Attends, tu reprends en vol avec... Mais je ne sais pas, ils sont tous des rendez-vous ici ou quoi? Monique. Monique. Oh, dors pas. Bon alors nous... Écoute, c'est vraiment impossible. C'est vraiment un saligo. Et un sale jaune. Et un gros saloperie. Il mériterait un coup de cul. Donc il a une part de responsabilité dans la solution de ce... J'écoute, j'ai encore bafouillé, putain, arrête, non, on refait. Maman, je vais voir les clés de la voiture. Quoi? Je vais voir les clés de la voiture. Pour faire? Pour dormir. Thomas. Eh hey, bordel, Thomas. Non mais... Écoute, est-ce qu'on va sortir de ça? Bordel, c'est le week-end, quoi. Touche pas à l'autoradio, hein. On a vu la petite sortie, il était au moins 2h du matin. Dis, j'ai l'impression de recommencer mon métier aujourd'hui. Ça n'arrête pas, on voit que c'est le week-end. Bon. Voilà, vous venez de voir un plan. On découvre la nature qui est derrière moi, et pourtant, comme nature, il y aurait peut-être mieux, parce que ce sont en fait les lieux du crime de la petite Alice, dont le corps a été découvert... atrocement mutilé il y a quelques semaines. Alors passons maintenant à l'interview de M. Favreau, qui est, comme vous le savez, membre de l'opposition, qui essaie d'impliquer la commune dans ses responsabilités vis-à-vis de ce crime atroce, et qui n'est pas étranger non plus aux émeutes qui sont passées, puisqu'il a tenu à publier les photos des pédophiles du coin. On passe à l'interview de M. Favreau. Toute cette histoire est le résultat d'une politique carcérale trop laxiste. Je vous le dis, moi, beaucoup trop laxiste. Et on n'en sort pas. Thank you.
Quelqu'un attend depuis un bon moment. Faites-le entrer. Mademoiselle. Laquelle? Asseyez-vous. Merci, je préfère rester debout. Oh, je m'excuse. Votre papa va bien? J'aimerais que vous jetiez un œil à cette enveloppe. Vous savez, je n'ai aucun scrupule. Je fais pas ça pour la justice, ni pour l'ordre, mais pour le chaos. Si vous publiez ça, je vous promets le meurtre, la vengeance et la destruction. Et vous croyez que je vais publier ça? Mais j'espère. Les gens ont le droit de savoir. Mais écoutez, ici, il ne s'agit pas d'informations, mais d'émeutes, mais de meurtres. Vous savez, nous relatons l'information, nous ne la fabriquons pas. Vous refusez? Aucun journal n'accepterait ça.
suis venu prendre quelques affaires. C'est pour ça que t'es revenu. Je suis ton oncle. Tu sais, c'est pas facile pour moi de revenir. Si tu crois que ça a été facile pour moi. Bon, d'accord, allez, si c'est des excuses que tu veux, je m'excuse. Hey! Partir. Mais quoi, je me suis excusé, hein? J'avais 10 ans, merde. J'avais vaguement entendu parler de sperme, mais je savais pas ce que c'était. Je croyais que tu me pissais dessus. Dégage. Mais dégage! Mon Dieu, mais on entre ici comme on veut. Jean-François. Laisse-moi te regarder. Mais tu es arrivé depuis quand? Aujourd'hui. Et ta première visite est pour ton père? Tu n'es pas ma première visite. Oh.
ben je peux savoir le nom de celui qui passe avant ton propre père et qui d'ailleurs ne t'a pas vu depuis 10 ans. Hein. J'aimerais te parler. Ah ben oui, sinon tu ne serais pas ici. Ce ne sera pas long. Je crois que tu es opposé à sa remise en liberté. Ce que je pense n'a aucune importance. La justice a tranché. On ne peut plus rien y faire. Détrompe-toi. On ne peut plus rien y faire. Pas tout à fait. Ils l'ont lâché, très bien. Mais moi, je dis que le monde doit savoir qui il est et le danger qu'il représente. Joyeux anniversaire. Tu es un actionnaire du journal ? Oui. Publie sa photo. Pas uniquement la sienne, mais celle de tous les autres pédophiles en liberté. C'est contraire à la loi. Aucune loi n'interdit ça. Enfin, pour l'instant. Sois le premier. Les élections approchent et je crois savoir que peu de gens sont d'accord. Un pédophile récidiviste, des abrutis qui ont le droit de vote, sauf erreur, la définition de la démocratie, c'est toujours un régime politique dans lequel le peuple exerce sa souveraineté lui-même. Oui. On ne peut pas être plus démocratique alors. Encore vous ? Ouais. Et je ne suis pas seul. Vous vous connaissez ? Oui, je suis d'abord passé chez lui. Il a refusé. Vous avez pris une décision sans me consulter ? La question ne se posait même pas. Je vous en conjure, réfléchissez. Vous n'avez aucun conseil à me donner ? Je ne peux pas. N'importe qui interdirait ces photos. Ces photos seront interdites après publication. Ça donnera aux gens le temps de se forger leur opinion. Leur opinion ne varie guère. Une personne peut réfléchir, mais la foule... La foule ne réfléchit pas, elle s'enfle et devient violente. Ceux qui hier défilaient pour la marche blanche défileront pour punir. Vous ne pouvez pas leur interdire. D'être de vrais cons. Non, je le regrette. Vous n'avez pas le choix.
Έλα, σταμάτα μα θέλει, με συγχωρεί. Ωραία, δουλεύει, αλλά επειδή σε δεν έχουμε πολλή δουλειά, θα σε σταματήσω δύο ώρες. Γιατί? Αφού δεν έχουμε δουλειά, πώς θα σε πληρώσω. Και άμα θέλει, μπορεί να φύγει από εκεί. Κατάλαβε, εντάξει. Allez-vous ignorer ce visage plus longtemps? Pourquoi faut-il préserver tant l'anonymat de tous ces coupables? Pour moi, je ne t'ai rien offert. Évidemment, t'as pas d'argent. Il est temps de faire revoir cette loi. La majorité du peuple ne veut pas loger et nourrir ces assassins. La loi est faite par des politiciens surprotégés. Il faudrait que cela arrive aux enfants des politiciens. Souvenez-vous de ce que Louis XV a dit à un homme qui venait de tuer. Checkmate, still on the lookout for praise. The prayer of recognition and hoping for the better as always. In any case, no need for active bass extension. Like many days, smoke weed under pressure. In the air, feel the tension. As distinct from the notion of respect and extinction. Mind stinks, attract attention. Vocab distinction, abstract thoughts, no more in detention. Putain, l'enculé, il m'a pété en angle. Au secours! Ah, c'est pas ok! Je vous accorde votre grâce, mais je l'accorde aussi à celui qui vous tuera. All the things you do today by just a click on a mouse. A taste of added spice in the virtual house. The vice, cast the youth and other stipe. My head starts to lose. The character becomes more and more brittle. Little, we literally change. It's now grown. Against the conscious quest for the throne. Faisons changer les choses! Il faut que le citoyen s'en mêle. Alors ne faisons rien, protégeons les coupables et laissons nos enfants courir de grands risques. We'll be right back.
tous ces pédophiles ne devraient plus avoir leur nom nulle part, si ce n'est sur leur tombe. Encore une fois, les victimes sont bafouées et les coupables ont tous les droits. Allez, filme ça. Vas-y, filme ça. Filmer quoi? Ah non, putain, alors là, non, moi j'arrête, hein. Oh, j'en peux plus, moi. Souvenez-vous-en lors des prochaines élections. Monsieur, je vous vois travailler et malheureusement, il faut bien le dire, malgré la chose atroce qui vous est arrivée, ben, la vie continue et il faut bien continuer de vivre. Rien à faire, hein, Monique, elle m'oblige à travailler. Faut quand même bien gagner ses sous, hein. J'ai quand même des dettes, moi, là-dedans, hein. Vous savez, bon, maintenant, il va y avoir les avocats, il va y avoir tout ça. Il me faut trouver des sous, hein, ça c'est... Bien, je vous remercie. Ben voilà, c'était le témoignage du papa de la petite Alice. Et je vais passer à la télévision. Oui, ben coupe s'il te plaît. Mais vous êtes qui vous? Et où sont mes parents? C'est la voiture de mes parents. Écoutez, monsieur, rendez-moi ma fille, ou plutôt rendez la fille à Monique, hein, s'il vous plaît. Parce que bon, elle ne supporte plus cette situation-là, elle, hein, elle pleure tout le temps, monsieur. Donc si vous avez l'occasion, passez avec elle, hein. Si vous voulez, on boira une petite bière ou une tasse de café, ce que vous voulez, mais ramenez-la nous, hein, s'il vous plaît. Ce serait gentil, hein, monsieur. Voilà. Ah oui, monsieur, j'oubliais. Actuellement, on n'a que des plans de vous en visage en train de parler, donc c'est un petit peu plat. Donc est-ce qu'on pourrait vous filmer en train de mettre l'affiche de la disparition de votre petite fille sur votre maison? Ah ouais, monsieur, oui, sans problème. Ah ben c'est parfait, on y va? Oh, bon, on peut le faire. Allons-y. On peut tourner, allez-y. Allez, filme ça. Je te remercie. Alors c'est ça ton épreuve? Tu pouvais pas m'en donner une moche, non? Fumier, bah. Oh!
Pourriez me dire l'heure qu'il est, s'il vous plaît ? 10 heures. Vous n'avez besoin de rien ? Non, merci. C'est quoi ça ? Un agenda. Je n'ai jamais eu l'occasion de remplir. Ba 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 pa 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 pa. Ça tourne. T'es prêt ? Ouais. Bon. Alors, tu panotes un petit peu hein, pour voir l'ambiance de la chambre de la gamine. Et les petits tintins, les machins, j'espère que ta salle descend au mur qu'on a vu tantôt. Ok, alors tu panotes et quand je viens vers toi, ben, au montage, on prendra ça et je parle au spectateur, ok ? Ok. Bien. Il dit, attends. T'as le string là dans le plan ? Elle avait quel âge la gamine ? 10 ans. Et c'est pas trop jeune pour avoir un string ? Non, dis-moi, je m'en fous complètement, mais bon, le public, il est moins large que moi, hein. Ok ? Donc, on reprend, hein. Mon Dieu ! Quoi ? Mais qu'est-ce que tu fous ? Mets-le à la cave, hein ! Calme-toi, monsieur Tess ! Je te dis de mettre le chien à la cave, bon sang de quoi ? Oh, ça y est, ouais ! Ouais, ça y est ! Je vous en prie, monsieur. Je vous en prie. Calmez-vous, vous énervez pas. Je vous en prie, asseyez-vous. Très bien, merci. Asseyez-vous. Voilà. Ah, c'est charmant, aussi. Oui, hein. Ah oui, c'est joli, c'est bien, c'est bien. Monique ! Ah, bah, écoutez... Attendez. Oh, bonjour, madame. Mais moi, je ne savais pas que vous étiez là. Mais je... à l'instant. Très content. T'as quand même pu me dire que monsieur était là. Oui. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Alors, chère madame, je tenais à vous exprimer mon chagrin. Et à vous assurer que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour retrouver votre fille. Nous mettrons tout en œuvre pour punir le criminel, mais aussi ceux qui ont relâché cet individu. Mais pour ça, j'aurai besoin de votre appui et de quelques signatures, si vous le voulez bien. Loulou, loulou,
Alors, t'as du nouveau ? Ouais. La personne désignée par le parquet comme étant le suspect dans la disparition de la petite a un passé judiciaire. Mais tu m'étonnes. Notamment pour fait de viol. Oui, et d'enlèvement. Allez, passe. Mais oui, il est placé sous mandat d'arrêt pour le viol de sa nièce, qui a 11 ans, qui a écrit dans son journal « Je hais mon oncle parce qu'il m'oblige à faire ça ». Ok ? Puis on l'a libéré sous conditionnel. Il est replacé sous mandat d'arrêt pour avoir violé une petite gamine de 14 ans qu'il a rencontrée d'une fête foraine. Évidemment, dans une fête foraine, on fait pas attention aux gosses. Ah ben voilà, mais il l'a frappé ensuite sur la tête avec une pierre et puis il est obligé à rentrer dans sa bagnole. Et tu appelles ça du nouveau ? J'ai été demandé du nouveau ! Vous n'auriez pas quelque chose à manger ? Écoutez, désolé, mais on va être à l'antenne dans 5 minutes. Par raison de plus, j'ai faim. Vous savez, dans certains pays, il y a des gens qui n'ont rien. Mais aussi, ils ne sont jamais déçus. Eh bien bonjour à tous et merci de nous suivre toujours plus nombreux. Nous allons faire un petit écart et nous éloigner de la culture pour nous intéresser à l'actualité. Actualité qui pourrait faire l'objet d'un film, qui sait ? Le thème de notre débat a été une fois de plus influencé par l'actualité. Le candidat d'extrême droite, Ludovic Favreau, a une fois de plus défrayé la chronique en publiant les photos de pédophiles récemment mis en liberté. Pendant plusieurs jours, des émeutes ont eu lieu un peu partout dans la capitale et on compte déjà 2 suicides et 4 morts. Voici le résultat de cette action qui, je le crois, va permettre au candidat Favreau de faire une poussée dans les sondages. Action calculée ou fortuite, nous allons en débattre avec le principal intéressé. Monsieur Favreau, bonjour. Bonjour. On peut dire que vous avez créé une certaine polémique. Polémique, n'exagérons rien. Ah bah quand même, vous êtes à l'origine d'une émeute. Bon, quand le peuple se soulève, il ne s'agit plus d'une émeute, mais d'une revendication. J'avoue que je n'avais pas calculé l'ampleur de l'événement, mais j'ai mis le doigt sur une situation qui ne fait que s'aggraver. Ce sont de véritables fauves qu'on relâche dans la société. Et ça, c'est intolérable. Hier, nous avons reçu un curé qui était scandalisé par vos agissements. Le problème des curés, c'est qu'ils peuvent vous rendre athée. Mais je comprends tout à fait le point de vue de monsieur le curé qui doit défendre ses intérêts. Pardon ? Ben oui. Si on devait arrêter tous les pédophiles, il n'y aurait plus assez de curés pour célébrer la messe. Bon, eh bien, on va donner la parole à un auditeur qui n'a pas voulu donner son nom. Allô ? Vous ne vous sentez pas responsable ? Responsable ? Responsable de quoi ? J'ai rien fait, moi. Je suis pas suspect. Est-ce que l'enfant va bien ? Est-elle avec vous ? Dis, tiens, je n'ai pas de sujet, hein ? Pas suspect ? Je vous trouve bien indulgent tout à coup. Avez-vous, oui ou non, violé des enfants ? Ouais. Pardon ? Mais non, non, mais j'ai pas entendu. Parlez plus fort. Faut pas avoir honte de ses actes. C'est drôle, vous, les pauvres ! Oh non, c'est vrai. Pardon. Ça ne se dit plus. Vous, les personnes en situation précaire, vous manquez de panache. On vous prend la main dans le sac, c'est plus moi, c'est l'autre. Respirez et parlez. Ouais, je l'ai fait, j'ai violé des mômes. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Vous n'êtes plus suspect, mais coupable. Non, non, question de point de vue. À cause de vous, je ne suis même pas suspect, je suis le coupable parfait. Ah, ça, c'est pas de chance, mais... Ce n'est qu'une question de temps, hein. C'est pas les petites filles qui manquent ou les petits garçons. Moi, j'ai rien contre vous. Moi-même, j'adore les enfants. Vous avez déjà remarqué la différence entre une petite fille et la femme qu'elle devient ? Il y a parfois un tel écart. Elles deviennent vulgaires, sûres d'elles-mêmes, sûres de leur charme. Comment d'aussi beaux enfants deviennent-ils des adultes aussi quelconque. J'ai jamais aimé les femmes de mon âge. Et c'est pas à 75 ans que je vais changer d'avis. Voyez, vous et moi, nous ne sommes pas tellement différents. Mais vous avez profité de la connerie des gens. Tous ces pauvres types.
Et alors, ça me rend coupable de quoi? Vous croyez que mon électorat est composé de gens intelligents? Mon électorat, parlons-en. Les gens intelligents sont minoritaires. Et, il faut se mettre à leur niveau. Voilà un bon sujet d'investigation. Tenez, interrogez les gens et demandez-leur, par exemple, ce qu'ils pensent de la peine de mort. Je suis contre la peine de mort. C'est tout? Sauf pour les assassins d'enfants. Ça... Non, hein. Allons, soyez réaliste, hein. Comment voulez-vous respecter ces gens-là? Bon, eh bien, je crois que tout le monde a eu l'occasion de s'exprimer, alors nous allons faire une pause, le temps d'une courte page de pub, et nous reviendrons avec un autre débat. Trouble de l'érection, comment réagir? Trouble de l'érection? Vous m'auriez demandé de rester, je vous aurais foutu mon poing sur la tronche. Et un pédophile de moins. C'est dégueulasse quand même, non? D'enlever un gosse. Ah bah bravo. On peut dire que t'es la voix de son maître ou t'es la voix du peuple. Bordel, et le père, qui laisse traîner sa gamine jusqu'à 3h du matin dans un bistrot, c'est pas un connard? Ah putain. Tu vas pas excuser le pédophile? Mais j'excuse pas le pédophile, mais enfin bordel, c'est toujours les mêmes réflexes. Moi j'ai un voisin, admettons, qui est pédophile, il arrête pas d'avoir des emmerdements. L'autre, le Michael, il vend 750 millions de disques, hop, on lui fout pratiquement la paix, déconne pas. Putain. Et puis on voit ça avec trop de sentiments, tu vois. Pédophilie. Dans le temps, il y avait des gamins de 12 ans, de 14 ans, 15 ans qui accompagnaient les militaires pour venir en Gaule, etc. On appelait ça pédophilie, non. Maintenant on veut les bons et les méchants, bordel. Merde, ils veulent un monde simple ou quoi? Il y a ça on peut faire, ça on peut pas faire. Alors les gens, leurs sentiments, est-ce qu'ils ont peur de la pédophilie? Ils ont peur, eux, d'être séduits par les petites gamines de 14-15 ans? Ça veut dire quoi? Moi, je voudrais savoir, ça veut dire quoi? Et alors là, t'as l'humour, parce que l'humour, il dit tout le temps la vérité. Quand Michael a été accusé de pédophilie, là, on racontait qu'il avait un tatouage sur sa bite, tu vois? Quand elle n'était pas en forme, il y avait un petit point noir. Alors quand il est en bon état, son petit point noir, eh ben, on pouvait lire la phrase, tu sais ce qu'il faisait marquer? Kinder surprise. Ah oui... Enfin voilà. Thank you.
qu'est-ce qu'on fait ici? On attend la nuit. Pourquoi? Parce que c'est beau la nuit. Moi je trouve pas. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Faut pas. Tu vois, finalement, elle a reçu ton cadeau. Ça peut te rassurer, t'as pas été le premier. C'est pathétique. Touchant, mais pathétique. C'est affreux. J'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. J'ai toujours été le plus truand de nous deux, hein. J'aurais jamais osé faire ce que t'as fait. Peut-être pour ça qu'elle te préfère. Tout est ta faute. Tu pouvais pas lui offrir un bijou? Non. T'es pauvre. Si elle m'avait aimé, tout aurait été différent. Je te reproche pas d'être responsable de sa mort. D'avoir gâché ma vie.
Après sa mort, mon seul plaisir était d'imaginer comment j'allais te le faire payer. Tu allais de maison de redressement en prison, et moi j'avais qu'une seule envie. Que tu reviennes ici. Tout était prévu. Sauf la petite. Personne n'aurait pu prévoir. Elle est encore en vie? Non, ne me dis pas que tu l'as pas encore touchée. Là, tu m'épates. De toute façon, ça n'a plus d'importance. De toi maintenant. Hein? Qu'est-ce qu'elle pense de toi maintenant? Tu vas la fermer, ta grande gueule! Ça, c'est la dernière. Bah, tant qu'on a fini la séquence, il n'y a plus une bagnole. C'est toujours comme ça, ça fait chier, hein. Bon, allez, on va bouffer.